Il mange son micro. Et le stream est lancé. Dès qu'il bouge, ça fait du bruit. C'est un peu relou. Juste un peu, ouais. Là, ça commence vraiment aujourd'hui. Ah ouais. Tu sais très bien que tu préfères éliminer. Forcément. C'est un peu faire des pistes. Faire les pistes, ça sera compliqué. Pourquoi? Faire les pistes. Je pense pas qu'il ait des concerts. Hein. Je pense qu'il parle de l'arbre. Ah bah oui. Il a fait de la route un peu. Non, mais moi, je suis allé faire quelque chose de route, j'ai essayé de mettre mal sur. On construit la barre. Je suis content de moi déjà, ça sera un. Est-ce qu'il va y avoir une échappée? Qui abandonne. Bon, c'est. Et on est parti. Du coup, ça va être l'ennui parce que personne va rouler. Ah, désolé, je bouge. Même quand ça roule, c'est l'ennui. Attends, mais. JL Redman pour me. Voilà.
Il n'y a pas la radiation cutscene. Oh, ouais. Ouais. Bah, je sais pas. Eh bien, j'avoue que c'est pas très de Dreyfus. L'affaire Dreyfus n'ont pas épargné le journalisme sportif. Et ce soir, on s'instruit avec Frico. Ouais. Ah, on va s'instruire avec Frico. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, en 1907, quelle est la première ville étape étrangère du Tour de France? Luxembourg, Bâle, Monaco, Metz. Ah, attends, répète. Bâle. Tu peux répéter les propositions? La première ville étape étrangère du Tour de France. Mais Bâle, Monaco, Metz. Luxembourg. Metz. Et la réponse est donc Metz en 1907. Ouais, bah c'est. T'avais dit que c'était en Allemagne. Ouais, mais je m'en fous parce que c'est chez moi. C'était pas du tout ce que je pensais, mais. Berlin. Mais moi je croyais que c'était en Belgique en fait, la première, mais non. Et t'as dit Bâle pour la Belgique? Non, j'ai dit Luxembourg, mais parce que ça aurait peut-être pu être le Luxembourg, du coup. Mais je m'en fous parce que Metz c'est chez moi, alors allez vous faire foutre. Eh, hey, TG. D'accord. Gros présentateur TG. quel fut le premier col franchi par les coureurs du Tour de France? Oula. Le col du Ballon d'Alsace dans les Vosges. Oui. Le col du Tourmalet dans les Pyrénées. Non. Le col de la Faucille dans le Jura. Le col du Pin Bouchain dans les Monts du Lyonnais. Le col du Pin Bouchain. Alors ça dépend. Soit le Ballon d'Alsace parce que c'est chez moi et je suis chauvin. Et que j'ai déjà pris ce, une 5000 fois. Soit le col de la Faucille parce que je le sens bien. Col de la Faucille. T'as dit quoi, Slomi, pain bouchin? Le pain bouchin. Des floxing, des suggestions. Floxing, des limites. Ballon d'Alsace, Tourmalet, Faustine, pain bouchin. On allait partir sur le pain bouchin. Ou je crois que c'est le Tourmalet. Eh bien, c'est bien parti puisque c'est la bonne réponse. Ah, arrêtez de Google, bande de cons. Première édition en 1900 pour les coureurs de franchir. Le col de Pain-Bouchain, 759 mètres pour rejoindre Lyon, depuis Paris. Lors des étapes suivantes, le col de la République, le premier grand col à plus de 1000 mètres, c'est le col de Saint-Étienne. C'est incroyable, révélation. Qu'est-ce que c'est une question sympa? Ah, ben, bon, je pense sur l'école. Quel fut donc? Nous sommes au courant que le col du Pain-Bouchain est le premier col franchi. Le col de la République est une école à 1000 mètres franchi. Passe maintenant à 2000 mètres. Quel est le premier col de plus de 2000 mètres franchi par les coureurs du Tour de France? Le col du Zoa, le col du Tourmalet, le col d'Alos et le col du Lautaret. Tourmalet. Lautaret. Zoa. Tourmalet. Eh bien, c'est le Tourmalet. En 1910, bien sûr. Ah, j'ai compris. Et Octave Lapise, hein, le vainqueur du tour de cette année-là, l'ascension à pied. Oh. Et oui, il a passé derrière Gustave Garibou. Et oui, qui a été le seul coureur à pas avoir mis le pied à terre pendant l'ascension. Quel monde de. Je l'avais déjà lu, c'est pour ça. Il y a un mec qui avait dit aussi, vous êtes un putain de meurtrier, en tout cas. Repos, bas les couilles. Ah, on a atteint la moitié de la course. Non, le dernier tiers, le moitié, on a 102 bornes de l'arrivée. Waouh, on va passer la barre des 200 bornes de l'arrivée. C'est la moitié de 200, c'est 100, et la moitié de 300, c'est pas grand. Alors, merci. Les jargons du tour, ça, on les connaît, on s'en fout. Ah, oui, en fait, oui, on a fait un tiers. Il avait oublié que c'était 300 mètres. On s'en fout. Les équipes, allez. Un moment. Bravo Baptiste. Dans quelle équipe aurait Eddy Merckx lors de sa première victoire sur le tour en 1969? La Molteni. Ça va essayer de. Moi j'ai dit au hasard, c'est la seule que je connais de cette époque. D'accord, c'est pas grave, je suis Gazing. Attends, répète. Peugeot, Molteni, Faima ou Fiat. Faima. Peugeot. Je l'ai oublié. Eh bien, c'est une marque de machine à espresso aussi bien Faima. Trop fort. Incroyable. Tout au pif. Quel nez Faima. Ah, Peugeot. Je vais utiliser mes petits pour faire un peu. Le cul. Parce qu'on a le temps. On a un peu le temps, tu vois. Et que j'ai les résultats de l'inline d'hier et qu'on s'en fout.
Parce qu'il y a donc que des nuls qui ont participé, hein, évidemment. Ouais. Tu pourrais pas se lancer ton stream, hein, partir sur un quiz comme ça. Ah, mais il est lancé, hein. Ah, il est lancé. Eh, bonjour. Ah, d'accord. Ça prend ma... Bienvenue dans ce moment très enrichissant. C'est le moment culturel, il est déjà lancé depuis 10 minutes. Waouh. Slow, yes, flox, red. Ah, bah voilà, je vais pas me mettre dedans, c'était con. Et du coup, là, ça, ouais, les points étaient déjà comptés ou pas? Ouais, aussi. Bon, aussi, mais c'est pas mort. Est-ce que les comptes, ils avaient déjà commencé? Ah non, dans le manil. Ah. Qui s'est fait lâcher? Du Moulin. Bah, bien joué. Ah, le fils de ces noms correspond à une équipe qui a participé au tour. Attention. Donc je vais dire un nom de 4 équipes, il y en a une qui a participé. HTC. Tata Moquette, Tata Moquette, Tonton Tapis, Papa Paillasson, Maman Carpet. Tonton Tata Moquette, tu sais quoi. Le troisième, je sais plus c'est quoi. Papy Paillasson. Il y a Papa Paillasson et Maman Carpet. Ah, c'est quoi Maman Carpet? Ah, Papa Paillasson. Et c'est quoi Tonton déjà? Tonton Tapis. Ouais, Tonton Tapis, moi je veux son nom. Tonton Tapis. Ah merde. Ouais. J'ai pas de réponse de Guess Guess. Bah je vais aller sur Tapis aussi. Tonton Tapis. De Bernard. Ah. Tonton Tapis était présent sur le tour en 1980. Et voilà. Avec comme leader Stephen Roche. Waouh. Dirigé par Roger Leblamin. Ah bah c'est quand même incroyable. Je suis obligé d'aller regarder sur Google, hein. Et du coup, on en apprend tous les jours avec... Frico. Avec Trico. Ouais. Avec Trico. L'équipe Tonton Tapis GB. Attends, est-ce qu'il y a des photos de l'équipe Tonton le Tapis, hein? Oh, ils avaient un beau maillot, hein. Ah, je suis obligé de mettre leur maillot sur le stream parce que là, il était beau. Ah, Shadow qui accélère. Ça a l'air Ah, tête de lion. Attaque de lion, tête de la course. Oula. Attaque de Koweï maintenant. Et oh, attaque de tout le monde. Voilà, Bozono aussi qui accélère. Où s'accélère dans le Paso del Tulcino. Le col de Vapon à 1% Voilà, vous aurez une magnifique photo du maillot de Tonton Tapis sur le live. Allez voir son live. Je suis gentil. Là, ah, il y a Polo qui a une question. Vas-y, Polo, s'il y a une question. Ah, Polo, vas-y, sors-nous ta question. Comme ça, Frico pourra répondre. Vas-y, mais tu sais quoi, Polo, mets des questions dans le chat. Parce que moi, il faut que je me concentre un peu. Ah bon? Je regarde un peu mon écran quand même. Ouais, a espionné le stream, attention. Lequel? Oh, le mien? Non, celui de Foxy. Ok. Nani? Streamax, c'est pas bien. Streamax, c'est pas bien. Oh, magnifique ce maillot. T'as vu? Il est beau, magnifique. Hein. Il est magnifique. Le maillot Tonton Tapis. Putain, il était. Alors, on se fait Streamax, c'est vachement. C'est toi qui te fais Streamax, hein. Ouais, mais bon, c'est cool. Il roule fort, les périls. Bon, en tout cas, il se fait un peu chier, mais bon, c'est pas cool. Moi aussi, il s'accélère un peu, là. Il y a Shadow et Bonhomme qui se mettent à rouler. Bah, fallait mettre des trucs pour cacher, hein. Bah, si je voudrais, j'aurais pu. Tu mets le maillot de Tonton Tapis, ça cache tout. Bah ouais, mets le maillot de Tonton Tapis. Non, moi, à chaque fois, je mets les étapes, comme ça, ça cache. Mais Gaz qui mange, tranquille. Bah ouais. Comment ça... Alors... Pour une fois qu'il peut manger dans... Comment s'appelait le tout premier vélo, en langage courant, composé d'une poutre reliant deux roues? Un vélocipère, une draisienne, un vélocifère, un vélocipède. C'est la draisienne. Un vélociraptor. Polo, faut mettre la réponse aussi, parce que sinon moi je sais pas du coup. Je dirais que c'est que le vélocipède, je crois. Mais non, c'est la draisienne. Un vélocipède. Oui, ça existait la draisienne aussi, mais je crois que le vélocipède c'était avant. Je suis pas sûr. Ouais, oui, ou alors c'est la draisienne. Je sais que les premiers vélos c'est genre un tronc d'arbre avec des roues. C'est comme tronc d'arbre avec des roues. C'est comme les voitures, c'était un bout d'alu. Ah, bout d'alu. Parce qu'il va y avoir des pourcentages, ça va accélérer. Ah,
Ah non, on arrive dans les capots, dans les capis, pardon. Le dans, capot. Les carpilles, dans le capot. Le Paso del Turchino. Le capot de la voiture d'assistance. Une montée de 16 km à 2%. Bah voilà, on est dans les gros pourcentages là. Voilà, là on est dans les pourcentages il intéressants. Se fait monter par des filles. Avec en débardeur évidemment. Chez pub américaine. Hein. Franck américaine. Et donc, oui. Visconti, il part tout seul. Eh non, il y a Isagir et Nibali qui suivent. Frico, j'ai une question pour toi. Ça vient du chat. En quelle année le Tour de France est passé en Charente? Donne des questions à la fois. Pour la dernière fois. C'est une question de merde. Oui, oui, pour la dernière fois. 2007. Ah, pour la non, dernière non. fois. Ah, c'est mieux. Pour passé ou il y a une ville étape? J'ai pas plus de renseignements. Je n'ai pas plus de renseignements. Parce que dernière ville étape normalement c'est 2016 avec l'étape Saumur Limoges. Sinon, dernière ville étape c'est l'arrivée à Angoulême en 2007. Bien, je ne sais pas. Oh, tu nous l'as perdu là. Polo, dis-nous la réponse du coup à la question. Bah oui, mais dis la réponse, Polo. Mais il dit. Même pas de Polo, il revient, mais. C'était la Dresdienne, ouais. Je connais la Dresdienne, mais je crois qu'il y avait un truc. Oh, quelle année la dernière. Attends, je crois que j'ai regardé. En quelle année le tour est passé pour la quatrième fois en Eure-et-Loire? En quelle année la Belge a-t-il fini 108ème de l'étape? En quelle année le Tour de France est-il passé pour la dernière fois sur le col du Ballon d'Alsace? Ah, GG est passé, c'est Limoges en Charente. Combien? T'as dit quoi, Frico? Mais non, mais Limoges. T'as dit quoi, Frico? Putain, mais Limoges dans le Limousin, hein, bande de connards. Frico, ah qu'est-ce bah, que bravo, tu as dit? Bravo, Baptistin, un génie. C'est... Qu'est-ce qu'il dit, lui? Frico, j'ai pas entendu ce que t'as... Limoges. Et oui, le Ballon d'Alsace, mais c'est 2016 avec l'étape. Et non, l'étape il ne. 2014. Non. Hein? Non. À chaque fois qu'il passait pour aller sur la planche des belles filles, il passe pas par le Ballon d'Alsace. Eh ben, 2014, il y a eu l'étape avec le petit ballon, le grand ballon. Non. C'est derrière moi. Non, mais j'habite à côté, merci, je sais quand même c'est quand. Et Rudy Moulard qui s'est fait avoir. C'était en 2005 avec la victoire de Michael Rasmussen. C'était une arrivée, hein, au ballon. Oui, alias notre dopé préféré. Hein. Mais non, mais c'était une arrivée au ballon ou oui. Attends, non, je crois qu'il est juste passé. C'est quoi, c'était sur l'encyclopédie du tour là? Bon, maintenant je regarde plus le chat. Hein. On rentre dans les 30 derniers kilomètres. Bon bah du coup je vais y mettre le live de Floxim pour aller voir. Allez. T'as combien de viewers Flo Flo? Pas beaucoup. Et avec mon problème de micro. J'en ai 3. Incroyable. Pour installer Astéros on a 800. Non Astéros ne stream pas. Il stream là ou pas? Non. Il stream pas apparemment j'ai vu. J'ai vu sur le message des mails, non, il fait juste. Lyon, il couvre. Lyon, le vieux con. Pardon. Ça lui fera plaisir. Il y a des lags, là, je suis allé pérer. Comment ça, je critique mes équipiers? Bon, bah, on a 128 bornes. Nous on est à 30. Non, tu presses hein. Non mais là c'est la pression, on a pas été placé. Ouais, faut être placé. Je le petit train d'Elysia, le petit train de Slobby. Si. Des leaders qui se font lâcher, comme Boujard. C'est des trains en route.
Je vais sortir une question, vas-y. Je la mets dans le chat du jeu. On va voir comment ils vont réagir. Allez, au lieu du tour. On a réussi à passer la côte. Ceci est incroyable. Et ça fait reprise à 20 km. Ou pas. On s'emmerde sur les routes du tour. Ah. Et Lyon qui t'entend un petit move là, vu qu'il n'a pas roulé comme la pute. Hein? Oh, il est mauvais. Attends, à préparer, quelle ville a été une ville état sur. Bah, beaucoup. Je pense que vous voulez dire d'arriver au final, je pense. Le Most, merde. Ah, Most. Pau. Pau. Ou Bordeaux, oui, c'est une des deux. C'est Pau. Ou Bordeaux. Putain, il y a une question, je l'ai posé. Il y a une cinquantaine, je crois, à Bordeaux quand même. Mais Pau est. Au Lyon, au Bordeaux. Hein? Mais Lyon qui tente un truc de trop. Merde. Accéléré sur un compte, merde. C'est quoi les propositions, Frico? Bah, il y avait Pau et Bordeaux déjà, donc. Et Lyon. Luchon. Pau. Et pourquoi ils sont arrêtés? Bordeaux et Lyon. Bordeaux. Ou. C'est Pau. On est très bien moi, placé. Moi je partirais sur Bordeaux, tu vois. Pour moi c'est Bordeaux. J'ai aucune réponse dans le jeu. Comment ah bah attends, moi je vais répondre. Putain, mais il marche pas le chat, il me casse les couilles. Ah si, ça marche. Redman dit B. Hop, c'est C. Yazing C. Tu vois, cet après-midi. Bon, j'ai rien vu par rapport au tour. Mais... Je me suis fait bloquer par la moto. Des cailloux qui sont concentrés et qui nous foutent des vents. Ah, c'est eux les cailloux? Ça sert à quoi d'avoir la moitié des Français pour qu'ils te répondent pas? Putain, mais Dumoulin il fait n'importe quoi. Ouais, t'aurais pu poser la question en français. Ils sont bêtes, ils ont pas dû comprendre. Même les Belges sont plus intelligents qu'eux. Et pourtant, ils sont champions du monde. Ah, Bonen il dit, mais lui il est perdu, lui il a dit Luchon. Luchon, c'est vrai. Et Shadow va dire D pour le fun. Et c'est parti pour Sanchez. Et je suis parti de trop loin. Alors que ça accélère quand même. Shadow il va appuyer sur D, il va se mettre à relayer. Il va pas vraiment. Bon, je fais deuxième, allez, Perret se balade. Encore non, c'est sur l'ancien. Ça. Shadow allez, qui. Il fait 1, 2, 3. Et ça accélère bien avant la première côte. Bon, ça va, je fais deuxième. Vous savez qu'on a juste Beat Cycling qui est très mal placé, BMFI aussi. On arrive dans la manille et que ça roule à fond. Je crois qu'ils veulent tenter des choses, les loups. Et je crois qu'on a les deux non-français qui sont très mal placés. Moi, je m'en sors bien. Surtout Beat Cycling. Tu fais 3ème. Hein, mais qu'est-ce qu'il fait avec ma un très bon rebond. Moi, la scène, du coup, il était bien, mais mes sprinters, ils ont perdu les roues. Krujvaik sans difficulté. Il a jamais accroché la roue de Nassen dans leur vie. Adam Yates qui a complètement explosé. Arrête ça, Trico. Pas du jeu. Et Polo qui a retiré ses messages. Qu'est-ce qu'il voulait dire? On a échappé au pire. On a failli avoir un triplé d'aller pérer. Ah oui, quand même. Il fait 1, 2, 4. Je fais 3. Ça va. J'ai complètement foiré la mais ça, alors que ça a cassé. Frico, BMFI et Gezi qui sont partis avec aussi Bounen. Et derrière c'est Shadow qui vient de se faire complètement péter le cul. Oh, j'étais trop meur en fait. Moi j'étais bien avec Nassen, sauf que normalement Dumoulin s'il était dans la roue. La team PCM Caillou qui est pour le moment piégée. Ouais, Bonhomme il a perdu ses deux sprinters.
Boonen en difficulté, Shadow également. Bitcycling a perdu. Il reste 88 bornes. Bon, on remonte Lyon, il est déjà 6ème. Lyon 6ème. Déjà à ta place. Lyon, l'élimination pour le pro des secondes chances. Lui. Putain, la scène, il était tellement à perpète à vos débuts de sprint. On peut applaudir Lyon. Et donc la réponse était bien Bordeaux. Merci ah. Public, merci. Eh ben voilà. Arrêtez d'aller sur Google. Ouais, sur t'as Google. Raison, toi. Je alors, que je joue, nous, on regarde pas la télé. Bonus si j'arrive à trouver le nombre de fois que ça a été visité. Moi, ouais, c'était plus de 50, je dirais 51, tiens. 60. 54. Non, 55. 51, 64. 55. Boxing, t'as même un petit peu sujet. Je crois qu'ils étaient aux alentours de la 50ème la dernière fois, là, quand il y a le chrono ou un truc comme ça. Soit 69. J'ai rien compris. 69. Niveau de Floxing. Et donc 78 fois. Ah, j'étais pas loin, j'étais pas loin. Gazing, oui, la 50ème. Ah, c'était peut-être la 75ème alors. Sûrement. Y'a des chances. Et du coup, Pau, c'est à combien? Pau, c'est plus vers les 50, du coup, non? Peut-être. Ouais, Pau. Je sais pas, j'ai juste la réponse. Je crois que j'ai juste la réponse. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a l'avion qui passe là-bas. Ah non. Devançant Pau et Luchon. Ah. Où le tour est passé respectivement à 62 et 47 reprises. J'ai cru que t'aurais préféré. Hey, il voulait dire bonjour, mais non, ça a été bizarre. Ah oui, j'avoue. Et Lyon, comme prévu, les deux dernières places. Donc du coup, Lyon se fera éliminer, et à cause de ça, les Espagnols vont croire qu'ils sont bons. Bien joué. On a éliminé en français, c'est qui Lyon? Non, ouais, c'est pas pour passer. Lyon, faut qu'il gagne pour passer, quoi. Et moi, une deuxième place. Eh ben, dis donc, t'as beaucoup d'espoir. Qu'est-ce qu'il y a? Les 19 et les 3. 4. Donc vous faites 2 ça et 30. Fait Allez Perret, moi, Floxing, et Ibiza, Koé et Lyon. Donc pour l'instant, moi, Gazing. Et Koé a disparu. Je crois qu'il a racheté. Mais il a quitté la game, mais je pense qu'il va peut-être revenir. Non. Est-ce qu'il m'a ajouté en ami de Non, mais enfin, je crois que ça veut dire son. Car j'étais derrière lui, enfin, et puis. Donc arrêtez. C'est quand même devant Lyon. Ah, attends, j'ai du tout arrêté le stream. Oh, Frico, l'enregistrement. Je peux partir là, mon pauvre. Ah, ça va, c'est plutôt cool. On approche du Capomelle. Ouais, plus que 12 bornes. Ensuite, on pourra ouvrir les yeux. C'est ça. Une bicyclette contient plus de 500 pièces, 1000 pièces, 1500 pièces, 2000 pièces. Des quoi? Une bicyclette. Plus de 4. Oui, moi aussi. Un cadre et deux roues. Et même des pédales si tu veux, il y a un pédalier. C'est le cadre, ça. Bah non, c'est pas les mêmes pièces. Attaque d'où ici? Attaque de Diego ici. Tant bien. Mercato qui roule derrière. Putain, j'aurais été là, il y aurait déjà eu une attaque de coup douce, hein, mais bon. Mercato. Il a gagné. J'avais su, je suis encore tiré avec lui. Moi aussi. Ah, tiens. Ah mais Koué, il est pas sur le Discord en plus. Non. Qui ça? Koué, parce qu'il rejoint pas la deuxième partie. Je crois qu'il a acheté là. Non, mais il est pas sur le Discord, donc on peut pas. Le Koué qui accélère avec son train pour revenir sur Bonhomme qui est attaqué à 60 bornes de l'arrivée. On peut pas le tag du coup. Il fait honneur à l'auto-NL. Ah oui, tiens, vachement. À la limite, s'il faisait gagner Roglic à la fin, je veux bien, mais. J'avoue, de jouer, de jouer. Mais c'est qui MMM qui nous a rejoint? C'est Oli Cool. Ah oui, Oli. Ah, c'est Oli Cool. Je sais pas si c'est Oli Cool, je l'autre là. Only One. Ouais. Only One, je crois qu'il est pas sur lui. Putain, j'ai faim, c'est terrible.
Je pense pas que tu puisses, Red. Non mais je sais, mais... Ouais, on va jouer à 5. Non mais je sais, non mais c'était juste pour dire que la prochaine fois, SPD, au lieu de Rush qui te prend la première étape parce qu'il fait dernier, il est à sa place. C'est le Rush Kid de Koei. Et est-ce qu'il est dans la team PCM du mardi? Oui. C'est beau. J'ai cru le voir. En fait, tous les Français qu'on connaît pas sont chez PCM du mardi. C'est ça. Ça veut tout dire, hein. Chez PCM du mardi, ça joue que le mardi. Et oui. Bravo. Ouais. C'est pour ça qu'on les verra que demain. Quel beau train l'auto-NL qui met le tempo en tête de peloton. Alors que Ulissi est en train de se casser les jambes. Il est en train de s'envoler vers la victoire, Ulissi. Ouais. Tellement qu'il avait déjà les bras de victoire. On s'emmerde toujours. C'est pour ça qu'il levait son bras. Parce que la moto elle l'a gêné, bien sûr, donc. Ah, c'est bon, on va commencer à s'en. Il était bloqué par la moto comme. Comme notre ami Joe Style hier. Prenez bien vos coureurs. De toute façon, ça allait le prendre tout seul. C'est un capot. Ah là là, capot. Ah, mon 40 bornes, un peu. Voilà, il part. Ah, tu perds du drôle de. Oh là, c'est attends. Ouais, mais... Bonne chance. Ouais, c'est fait. Merci, cher Fonti. Ah ouais, bah il est chaud le bâtonnet de l'eau. Parce que les épaules se font en numéro 2. On fait des nettes encore, on part lâcher de l'eau. Le premier qui sera donc le premier lâcher du jeu, je pense. Comme d'hab. Dernier de l'étape. Là, ça fait quand même en 4 étapes où je fais gaffe, ça fait au moins 3 fois que c'est le premier lâcher. Non, je vais pas à fond. Il va nous la mettre à l'envers. C'est une casquette. Casquette à l'envers. Une bonne rêve. C'est pas le marlou. On va mettre le stream. Et non, mais Bennett, il y avait... les joueurs n'ont plus de respect envers Bennett, c'est nimp. Hein. Chaque non, russe. C'est triste. Hein. Ça fait déjà trois soirées où c'est qu'il se fait lâcher en premier, franchement. Attends. Du coup, si par exemple Lyon, il fait 6ème et là il gagne. Moi je fais 2ème, enfin j'ai fait 3ème et là je fais 2ème. Et Slomi fait 3 et 2. C'est comment les points qui sont 20. Tous les deux, 120 tous les deux 120 points et Lyon en a 118. C'est ça. Sauf que dans ce cas-là, Alepéré risque de rester devant. Et du coup, si c'est vraiment ce cas-là, derrière parce que c'est la deuxième étape. Que... Non mais si vous êtes que 5 à l'opéré, il va choper 125 points au minimum. Alepéré est sûr de passer. Bah oui. Okay. Vous êtes que 5. Toi aussi, je pense. La question de Floxing qui devait être est-ce qu'on peut se qualifier tous les trois, c'est non. On te le dit de suite. C'est oui. La question, si ta question c'était est-ce que Lyon peut passer, non. Voilà, c'est ce que je disais là en live et je sais ce petit. Est-ce que Lyon est à biscuit? Oui. Oui, voilà. On peut le confirmer. Alors qu'on s'emmerde toujours sur cette étape. Ah, oh, t'es bien parti. Oh, si je fais 4 ou 5, je passe pas. Alors. Attaque de Fabio Aru. Bah, ça dépend. Moi, j'ai juste un. C'est qui s'est fait lâcher. Ulissi et Vista, c'est simple qu'on passe. Il y a les 82 qui vont tenir. Regardez position et ça clignote. Okay. Oh, c'est Robert, il est en tête, c'est le meilleur. Ah, mais c'est qui, il est trop chaud. Il est en tête de peloton depuis 20 bornes avec son train. Ouais, et il est toujours présent. Toujours là. Toujours vivant, rassurez-vous. Ah, il y en a un qui a pensé la même chose que moi, j'ai l'impression. Oui.
Oui, t'inquiète, on a. Faut arrêter de tendre des perches comme ça, hein, d'ailleurs. Tac de pino. 14 km et on se fait toujours chier. Exactement. Et ça roule. Et ça fait mal. Non, c'était pas ça. Et aujourd'hui, on vous a pas dit, mais c'est karaoké. Eh, mais Ronald, comment il se. Oh, le cancer de lui. Alors qu'on est à 2 km du Poggio. Ah, ah ouais, on est là, on y est. Bon, bah, allez, les gars, bonne chance. Ouais. Oh, les beaux blocs. 40 minutes d'attente pour. 40 minutes d'attente pour se faire bloquer par Matteo Trentin qui va être complètement mort à la fin de la montée. C'est beau. Là, je suis coincé derrière. C'est regardez, Kreuziger qui va. Non, il bloque personne, Kreuziger, dommage. Et il me reste cette position 85 aussi, lui, on pousse lui à chaque fois. Mais oui, c'est hyper long. Poussez-vous là, poussez-vous. Gazing qui essaye de se placer, mais il a un peu de mal. Poussez-vous, vous m'emmerdez là, les Orica crottes là, dégagez. L'Orica. Et tout le monde attaque, d'un coup. Gros team attaque de 50 coureurs. Oh, le 4-6 de Frico sur. Oui, Matteo. Le 4-6 de. Le 4-6 de Frico qui a complètement arrêté Melchies. Oui, bien sûr, le 4-6, oui. Oui. Bien sûr. Tout le monde est placé. Sauf Boonen qui est un peu plus derrière et Gesink également. Beat Cycling, lui, il a plus de. Beat Cycling n'a plus que 182. Oh là là, regardez BFM TV, comment il est placé. BFM TV, très bien placé. Ça sent le reportage en direct. Pour le joueur. Ce reportage. Au plus proche de la course. Le sprint, Nibali est devant. Crush Vax se dépasse. Louis Léon. Et ça va être Clément. Non. Louis Léon. Louis Léon. Gazing. Oh non. Non. Et il est bouffé par le meilleur joueur italien. Non, pas italien, espagnol. New Shadow. Shadow il fait 12. Ah bah. Non, il fait. Ah bah Shadow. On dit quoi? On dit au revoir. Shadow, il avait qu'à jouer au jeu quand on lui a posé une question tout à l'heure. C'est bien fait pour lui. Vous faites combien, vous? Moi, je fais 2. Je me fais manger sur la ligne. Putain, mais je peux pas attaquer. 2, 3, 4 pour les joueurs français. Alors, du coup, 100 points pour BFM TV. Moi, j'ai envie de dire Kemings, c'est encore une fois le meilleur qui gagne. Hein. 70 pour la Guess Guess. 50 pour moi. Ah mais Cummings il avait 77 en ça sent le fumé. Ça sent le fumé pour Shadow. Cycling et 18 pour Shadow. GG. Et du coup les Espagnols qui vont y croire. Ils sont putain, mais... 500 000 joueurs sur pour les. Quasiment sûr de passer. Et merde. J'ai pas mis une protection à suivre de toute l'étape, c'est ça qui est encore plus terrible. Bah, moi en fait, il y a juste Lyon là qui a mis. Mais non, mais il a raison, elle est prête, l'attaque de la première place. J'avais toute mon équipe qui était en curseur 90 dans la descente et ensuite j'ai fait sprinter tout le monde à 1,5 km. Et je fais. Moi j'avais Tini et Chavez qui ont été protégés de cette étape, j'avais Derwood et Ewan dans Studio. Bon, on a vu que c'était utile. Bah, c'était pour les. Dans le final, je savais qu'ils n'allaient pas suivre. Ah. Juste en gêné. Ah, du coup, je fais 2. Ah, j'avais pas vu, je fais 2,58. Ouais, moi, je fais 2,6 et je fais 3,6. Regardez Shadow, tous ces coureurs paumés derrière. Putain, mais il a déconné, Louis Léon. Hein. Sans le pire, c'est que j'ai Chavez qui se fait bloquer dans le sprint. Oulala, là là, un bloc. De quoi? Ah, oui, je fais 3 avec Chavez, oui. Ah, ouais, je fais 3 avec 82. Le truc c'est que dans le sprint, c'est Chavez qui va plus vite, mais il se fait bloquer. Oui, il était coincé parce que je te voyais là. Bah oui, il y a le BFM TV là qui a mis tous ses coureurs devant. Bah j'avais fait la même. Hein. Report BFM TV. Et je me fais bloquer de ouf. Que j'attends un peu pour lancer mon sprint. Ah, McCormick, on sent qu'il est en train de pleurer là, il est obligé de créer une partie tout seul. Manderbridge, il se fait bloquer par un Lotto NL là. Non, il passe top 5. Ah, mais si c'est moi qui joue avec, et ben, ils auraient pas été bloqués avec l'auto. Bon, en vrai, ça va, mais pas confiant quoi. Troisième, ça fait chier. Et ça sent aussi le cucu pour notre ami Velios. Oui, il a raté. Qui est à 45 secondes du peloton. Ah.
Par contre. Ah, c'est Méa qui le stream, je crois, non? Non, c'est Pierrot. Et Méa, il est en électron libre aussi. Enfin, je crois. Par contre, Shadow qui fait dernier là. Ah bah du coup c'est cool, je suis presque passé, moi j'ai fait deux. Bien joué. Parce que Shadow je pense qu'il va... Si j'arrive à passer, mais je suis trop fort. Bah je suis nul en pavé aussi. T'es bien là, là normalement t'es bien. Là. Faut que j'arrive à faire top 3. Quatrième encore, ça doit le faire, mais faut pas que je fasse top 6. Vaut mieux faire top 3 pour être sûr. Ouais, top 3. Bah si je fais 4, je vois pas qu'il peut me doubler en fait. Si t'arrives à avoir 100 points... t'as de grandes chances de passer. 2 et 4, ça fait bon. Du coup, attends, le troisième, il rend pas combien de points? 50. Ah, non, ça va, c'est pas mal. En tout cas, on a pu voir comme quoi Team PCM Village au-dessus de la Team Skype. Et du c'est quoi vos résultats du coup à vous? Frico, il fait 3. BFM TV premier, Gazing 2, moi je fais 3. 4, en 4, on a Bonon, 5, Beat Cycling et 6, Shadow. Oula! Donc Shadow, hein, champion du monde en titre. Non, il fait deuxième des champions. Non, champion du monde en titre. Champion du monde en titre sur les classiques, hein? Oui, Shadow il gagne les classiques. Et ben voilà! Le champion du monde. Il va se faire sortir par un random et le champion de France de l'an dernier. Double en titre, même si tu veux. Pas ici. C'est beau. Ah, tu peux prendre la loto NL si t'es avant Bicycling. Je sais pas si. Non, parce qu'il faut prendre les mêmes sur les deux normalement. Lyon, il attaque avec deux cours, mais après. Lyon, il est chaud. Putain, moi je me cherche un DC. Hein. Oh non! Oh non, il y en a qui se. Il y a Guillermé qui se plaint d'un bloc. Ah. Ouais, mais il est pas chez la nous. Prochaine, non, mais il va avoir du boulot, il va avoir du boulot, Tréco. Oh oui, c'est vrai. Dans quel groupe? Arou, Blocktus, yes, I sorry, my bad. It was David Nicholas, make an appeal on topic. An appeal. Appeal, quoi. Make a sex appeal on topic. We have very stream, will you decide to make a jury? Il peut pas rouler à l'épéré. Ah ouais, mais je vais pas mettre un gros effort curseur pour me prendre tout le vent en deuxième place avec Bardet. Voilà, il met son équipe, comme ça il peut rouler. C'est pas chier. Et c'est le stream, et c'est le bordel sur mon stream, on ne voit plus l'écran. J'ai rajouté trop de trucs. L'écran. Et Baptistin qui va rager parce que Shadow qui l'a éliminé fait de la merde. Ah oui, là oui, il fait de la merde Shadow. Je sais pas ce qu'il a fait là, mais... Même pendant l'étape, je crois qu'il n'y a rien de l'autre. Il croit encore qu'il y a une seconde chance. Dommage. Bah là, Shadow, ça me permet qu'il passe. Et Frico en demi-finale. Allez, Frico. Trico en demi. On y attend, on s'y attendait pas. Comment ça, on s'y attendait pas? Oups, pardon. Quand même, faut pas déconner. Après, c'est clair que vu après le après les drôles, hein, j'étais pas confiant pour passer en demi. Mais... Oh, le... les deux qui me faisaient peur, ils sont derrière moi. Et attention, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Non, je déconne. Les beaux blocs, allez! Ronewagen, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Ouais! Attaque! Yaraoui Koudous, ouais! Atapuma! Il y a tout le monde devant en fait là, sauf... Là il y a des coupures hein. Ah sauf mais t'as fait deux points. Ah non, sauf qui? Bah tout le monde est devant. On est 5 devant. Oui. Ah c'est parti. Ah oui. Koudous c'est parti. Ah les Koudous. Ah oui, Koudous il est sorti. La Koudous. Famoso Koudous. Tout le temps dans les petites échappées. L'Érythréen. Incroyable. Bon, eh ben, non, on va s'ennuyer encore un peu.
peut-être mal au vieux Cormont. Qu'est-ce que c'est avec tes coureurs là? Qui, moi? On s'amuse quand parce qu'ils abandonnent pas. Et je les vois tous en danseuse là, en train de rouler comme des... Ils sont à fond. Allez, sort ton cours derrière. Fais ton boulot. Fais ton boulot et casse la game. D'accord. Attaque de coup douce encore. Coup douce, coup douce. Allez. Coup douce. Le tampon, il insiste. Hein. Oui, oui, mais il fait n'importe quoi. Tu vois que ça commence à te saouler. Il est encore avec 173 montagnes, avec Woods. Il fait que attaquer encore. Ouais, c'est ça. Et il attaque là avec le 164. Attaque de Bozic. Non. Non. Pas de Bozic. C'est bon, lui, c'est ce qu'il doit faire. Il a tenté les trucs. C'est vrai que BSM TV, il a bien géré le Milan sur Rennes. Ah nous, les Péré nous a bien mis dans le cul. Ouais. Les Péré qui a mis tout le monde dans le cul. C'est quand qu'ils abandonnent mes coureurs, au fait. Est-ce que tu les as pas laissés sur la ligne de départ? Je pense que vu qu'il y a en very bad, genre la voiture balai met plus de temps à arriver, je crois. La voiture balai qui prend 2 heures à arriver. On a le temps, on fait mieux en soirée mot. Et on se fait encore chier. Génial. Déjà tombé pour les 58. Il est où Lulu? Bah pas là. Lulu n'est pas là. Il s'est fait bloquer. Pas de Lulu. Ouais. C'est bien les classiques. Il fait rien pendant 100 bornes. Et après on fait rien. Mais en étant plus concentré. Vous êtes encore devant. On a pris un peu devant. Vous en êtes à combien d'arrivée vous? 116. C'est génial parce qu'on voit toutes les équipes qui sont derrière et toutes les équipes qui sont devant. Voilà. Faut meubler. C'est un forbid cycling qui va faire le tempo. Le favori du groupe. Je sais pas quoi faire pour meubler. Sortir mon quiz, mais là j'ai moins envie. Non, sors-le d'ici 100 morts. Non, mais c'est une attaque, une capture là. T'as qu'à chercher des quiz sur internet. T'as combien d'écrans, Ray? Ah, mais j'ai mon tel. Ah, mais va chercher des questions sur internet avec ton téléphone. Question pour un Fignon, c'est parti. Question pour Laurent Fignon. La question pour un fion. Pour un fion. Les meilleurs cyclistes mondiaux en 2011. Philippe Gilbert. Merde, en plus c'est celui qui avait plus la tête du début. J'ai rien compris. Gilbert, il fait le triplé en 2011. 2011. Non, le fait d'hiver c'est 2011. Ouais, c'est merci, 2011. Pardon, mais j'ai pas compris. Non, mais j'ai pas compris. Merci pour ces informations. Merci Frico. Tour du France record toujours. Eddy Merckx détient encore aujourd'hui le record du nombre de jours en porteur du maillot jaune sur le tour. Quel est ce record? 21. 97, 82 ou 76? 21 jours de suite. 76.
21, c'est... Il va falloir finir, le quiz pour avoir les réponses. Super. D'accord. Vous les aurez à la fin. Il est devenu l'homme le plus rapide du tour dans l'étape en ligne Laval Blois en 99 en réalisant la moyenne horaire de 50,355 km/h. Zabel, Cipollini ou O'Grady. Tiens, De quoi? Attends. Non, mais faut qu'ils retiennent les questions et ça c'est compliqué. Non, mais il les verra en direct pendant la correction. Mais oui, parce qu'en fait, t'as toutes les questions d'affilée, puis après tu fais voir les résultats. Et t'auras tous les résultats. Parce que si je fais voir les résultats, vous voyez répondre aux questions 2, 3, 4. Ouais, bon, bref. Du coup, qui est l'homme le plus rapide du tour avec l'étape Laval-Bois? C'est Mario. Mario? Stuart. Non, c'est Rick. On verra. Raymond Poulidor est le détenteur des podiums du tour avec 2 fois second et 6 fois troisième, 4 fois second et 4 fois troisième, ou 3 fois second et 5 fois troisième. Le premier. 3 et 5. 2 et 6. Non, il a été plus que 2, je pense. 2 et 6. On va partir sur 3 et 5 aussi. La majorité. Depuis 1947, le plus gros écart entre le vainqueur Fausto Coppi et son second en 1952. 28 minutes et 17 secondes. Mais qui était le second? Brick Shot, Gino Bartali ou Stan Hockers? Bah Bartali, Bartali, non. Ah, peut-être pas sur le tour. Moi je dirais Hockers. Moi je vais quand même dire Bartali dans le tour. J'aurais juste 2 minutes. Je vais chercher les mouchoirs parce que je suis enrhumé. Ouais, c'est cela. Ah bah super. C'est inquiétant quand même. Il aurait soigné le nez qui coule. Depuis 1947, il détient depuis le record de la plus longue échappée en solitaire sur l'histoire du tour, 253 km. Mais qui c'est? Édouard Fallsteiner, Albert Bourlon ou Eloi Tassa? Eloi. Le Boulon. Bourlon. Matteo Battesini fut en 1931 le plus jeune vainqueur d'étape du tour, record qu'il détient toujours. Il avait ce jour-là 19 ans, 4 mois, 13 jours, 18 ans, 9 mois, 2 jours, ou 20 ans, 6 mois, 8 jours. Ouais, il va avoir 18. 18 ans parce qu'il y a. Comment il s'appelait le deuxième vainqueur, Cormier, je crois. Oh, Rosy Mollard, lâché. 18 ans. Qui aujourd'hui est encore le détenteur du prologue le plus rapide du tour avec une moyenne de 55,152 km/h? Thierry Marie, Thierry Marie, Chris Boardman ou Tommy Rominger? Boardman. C'est Juan Denis. Mais non, c'est pas un prologue, c'est un poil plus long de 9 bornes. Ah ouais? Bah c'est Boardman alors. En le remportant en 1922 à l'âge de 36 ans et 4 mois, il reste toujours le plus âgé des vainqueurs du tour. Hein? Jean-Christophe? Non, il est pas dans les trophées. Philippe Thys, Philippe Thys, Léon Sieur ou Firmin Lambeau? Firmin. Quelle année? 22. Non, mais c'est le plus vieux vainqueur. 22. Non, c'est le vainqueur le plus vieux qu'on a dit. Mais c'est pas, c'est pas Evans? Non, c'est pas Evans. 36 ans et 4 mois, hein, il avait le plus vieux. Non, Evan, ça va être 34. Du coup, Philippe Thys, Léon Sieur ou Firmin Lambeau? T'as dit, c'est Firmin Lambeau. Moi, je crois savoir parce que j'en connais un des trois et puis je sais qu'il a gagné le tour et pas les deux autres. Du coup, je pense que c'est Thys, mais je suis pas sûr. Malgré ses aveux de dopage, Lance Armstrong reste le détenteur de la moyenne la plus élevée avec 41,654 km/h. Mais en quelle année? 98, 2000 ou 2005? 2005. Dans le 2000 parce qu'il y avait masse de plat. Combien de fois Richard Virenque a-t-il ramené le maillot d'un poids du meilleur grimpeur à Paris? C'est très simple, dis donc. Avec 17. Moi, j'entendais un gars crier 9. Oui, c'est Slomi. Avec 17 fois au départ du Tour, du Tour de France, il est le recordman des participations à l'épreuve. Zoot Milk, Voigt ou Incapi? Zoot
Ah mais c'est Voight. Une capi, ouais. C'est une capi, t'as raison, non, c'est une capi. T'es sûr? C'est ou tapis. Pour terminer, quelle ville après. Ah mais non, celle-là on l'a déjà fait. Quelle ville détient le record du ville étape? Bordeaux. Luchon, Pau ou Bordeaux? C'est Bordeaux du coup, on va aller voir les réponses. Attends, il m'a grillé de quoi? Ah, vous avez 75% de bonnes réponses, hein. J'ai pris la majorité des réponses du coup. Ouais, c'était 60. C'était 97 jours pour Eddy Merckx. Le nombre de jours avec le maillot jaune. C'était bien Mario Cipollini qui a été l'homme le plus rapide sur une étape avec ses 50,355. C'était bien 3 fois second et 5 fois troisième pour Raymond Poulidor. C'était bien Stan Oakers qui avait fini deuxième derrière Fausto Coppi. C'était bien Albert Bourlon qui a fait la plus longue échappée. C'était 19 ans et 4 mois et 13 jours pour le plus jeune Fabio Battesini. Ah mais t'avais dit son nom, on aurait su. C'était Chris Bond. C'était Chris Boardman qui a fait le prologue le plus rapide. Et donc Thierry Marie. C'était bien Firmin Lambeau qui est le plus vieux vainqueur du tour. Merci. Bien Firmin. C'était en 2005 pour Lance Armstrong. Lance Armstrong, c'était bien en 2005 qu'il a gagné. Avec Il y avait une question sur lui. De quoi? Moi j'avais même pas entendu la question sur Armstrong. Oui, c'était quand est-ce qu'il avait fait le tour le plus rapide, mais c'était en quelle année? Ah oui, du coup c'était l'année. C'était 2005. Allez, j'ai dit. Donc du coup, Richard Virand, qu'est-ce que je vous dis la réponse? Vous avez pas besoin? Peut-être pour Somi c'était 7. C'était bien Incapi qui avait fait le du coup 17 départ. Ouais, et c'était mais... bien Bordeaux. Le record de ville étape. Il date de quand le quiz? Le? Le quiz il date de quand? Je suis quasiment sûr qu'Aurélien Denis s'est battu 2014. Non mais Denis, j'ai été voir, il faisait 13 bornes le truc qu'il a fait. Bah c'est plus long qu'un prologue. Ah mais Jens Voigt il l'a... Ah mais non. Un quiz. Et vu qu'on est sur des classiques, on va faire un quiz classique. Sur les classiques. Eddy Merckx a remporté... Fait baiser surtout. Eddy Merckx a remporté 7 fois cette longue épreuve organisée depuis 1907. Oh le sac à foutre de Vries. J'ai pas besoin de vous dire la suite parce que sinon. Je vous dis pas la suite parce que sinon c'est trop simple. Et du coup. Il a gagné. Ouais. On peut nous laisser du suspense. Forcément là, genre y'a personne qui roule. Je peux pas vous dire la suite en fait parce que sinon en fait c'est trop simple à trouver. Du coup, je vous dis les propositions quand même. Lombardie, Milan-Sanremo, San Sebastian ou Lombardie? On dirait que c'est Milan-Sanremo. Oui, parce que c'est écrit quelle course est surnommée la Primavera. Donc. Quelle grande boucle a été remportée? Oh, mais non, mais la question Tom Boonen a remporté cette course à 5 reprises, etc. Quand Cancellara s'est imposé en 2013. Là, là, là. Le Grand Prix de l'E3, le Grand Prix de l'E25, le Grand Prix de l'E411. D'accord. Les propositions, c'est génial. Hein. 411. Allez, l'édition de cette classique printanière s'est disputée sous la neige quelque part en Flandre. Entre Gael et Varangem, entre Gand et Wevelgem, entre Genk et Zotmgem. Oui, oui. Proposition, c'est de la... Non, mais cherche... En fait, les propositions, c'est un peu de la merde. Hein. Le Belge Tom Boonen et Roger De Vlaeminck détiennent conjointement le record de victoire avec 4 titres. Paris-Nice, Paris-Brest ou Paris-Roubaix? Paris-Brest, c'est le meilleur. C'est le meilleur Paris-Brest. C'est Paris-Périgueux. Cours cycliste créé en 1913. En 2013, l'épreuve est remportée par un cycliste bien préparé. Quel est le nom de ce monument du cycliste? Le Tour du Toscane, le Tour du Finistère, le Tour des Flandres. J'en peux plus. Je pense que c'est le Tour de la Franche-Comté. Le Tour de Pays d'Alor. La première des classiques ardennaises a été créée en 1966. Quelle marque de bière sponsorise la Gold Race? Amstel, Heineken ou Gulpener? C'est des questions vraiment pourries, hein. Comme on va faire un quiz sur les légendes du cyclisme, du coup. Ah, y a que deux propositions? Oh, c'est plus simple, ça. Mais De Vries, il est coincé par la voiture, mais sans blague. Ah, il disait, il fait que ça, attaquer. Oh là là, le train Gazing, bloqué.
Mais t'as vu la voiture quand même a bloqué dans le côté, De Vries il pouvait plus passer ses coéquipiers. C'est de la faute d'Empereur of Po. Avec Christian Prudhomme. T'as du coup casing que là ça pue. Bah ouais j'ai une crevette. Vous allez pas laisser Beat Cycling se qualifier non plus hein avec BMW. Hein. Voilà, parce que j'ai crevé. T'as crevé avec De Vries? Mais oui, il a crevé son premier pavé. Ah merde. Ah oui, je suis pas derrière pour le plaisir. Hein. Ah, il fait une Joestyle. Est-ce que ça va passer? On la connaît la technique non, de Joestyle. Il a crevé en plein dans la bosse. Si, si, il roule à fond les deux moustiques. Moi aussi je pourrais rouler, hein. Je pourrais faire de même qualité. Mais en plus regarde, à chaque secteur pavé j'ai la voiture. Ah là ça va, il est passé de l'autre côté. Tout à l'heure il y avait la voiture et en fait il est passé de l'autre côté, enfin il est resté coincé. Parce que la voiture l'empêchait de sortir du coup du train si je puis dire. Allez Bounen, tu vas... Allez, non, allez, pourquoi je dis Bounen? Allez Gazing. T'as pu... Allez. 28 secondes pour Gazing, 30. Allez, allez. C'est Beat Cycling qui va à fond du coup maintenant. Ça joue vraiment les chiens contre Gazing. Oui, Gazing qui revient avec De Vries. C'est qui le Bahreïn là qui s'est chié? Putain, le Brélie. Comment je me suis fait coincer? Oh, Col Brélie. Moi je suis rentré. Bien joué, champion. Bon, du coup, là maintenant t'as Lutsenko qui est lâché, mais. Vas-y, y'a BMF qui est lâché avec Bonsonagan, roule! Vengeance! C'est qui qui attaque devant du coup là? Sur Viermo, il risque de bloquer, il est mort. Je me suis fait bloquer. Oh, Lutsenko, c'est fini? Non, enfin, pas pour toi, je parle. Pour Gazing. Mais elle est terrible ou pas? Gazing? Non, Lutsenko, il va bien, c'est juste qu'il s'était fait bloc. Mais t'essaies pas de le ramener, non? Parce que dans ton groupe, ils sont tous morts en fait, du coup. Ouais, mais j'avais pas vu qu'ils roulaient pas les gars de devant, en fait, je pensais que j'arriverais jamais en. Étape difficile pour certains. Pour Shadow, ça a pu quand même parce qu'il a plus eu que deux coureurs. Enfin, trois avec Navardos casse devant. Mais... Navardos casse. Cavendish, ça va être fini. Alors que le champion espagnol, il est là. Y'a Kudus toujours là. Et le train Frico. C'est fou ça, je me fais full bloc. Y'a pas mal qui sont cuits dans le groupe, hein. Ça accélère un peu, ça explose. Ah, moi ça va, De Vries il a récupéré, je suis content. Je que ça serait plus dur. De Vries va faire une Bozic. Oh. Son chef. Navardoskas, il garde un petit écart, mais du par coup. Contre, ça... Le péri, ça sert à quoi ça, Navardoskas, à part se cramer? Et à cause d'aller périr, je suis éliminé. Pourquoi? Bon, parce que le mec il me fait lâcher à cause d'un bloc et après il rebondit. Nice. Ah, mais du coup, c'est éliminé. Lui, on peut passer. Allez, Lulu. Non, il peut pas passer. Non, mais vous allez pas me dire comme quoi il y a qu'un Français qui passe, hein. Bah, c'est... Putain, je vais vous frapper. Les Espagnols ont fait comment là? Oh non, mais c'est terminé pour moi. Fait comment nous avec
On fait comment nous avec les Espagnols là? Ils vont se la péter parce qu'ils seront encore 15 en demi-finale. Ouais mais c'est bien parce qu'en fait comme ils sont... Même si on sait comme quoi il n'y en aura aucun qui gagnera parce que c'est franchement Alperet qui va gagner la finale, vas-y c'est bon. Les Espagnols ont la confiance là, décevé. Ok, oh Lyon qui gagne, je fais 2. Non. Et Slumit 3. Non. Quoi? Faut pas être... Oh non, je suis out, je suis éliminé. Putain. Quoi? Oh, fais chier. Attends, Lyon. Ah non, non, je suis devant Lyon, j'ai rien dit. Lyon il gagne? On peut pas dire que Lyon sans lui. Alperet il fait combien? Et 135 pour Alperet, 135. Ah, pourquoi Lyon il passe pas, c'est le camp. Putain, j'ai eu peur. Allez, allez, Lyon. Oh, Lyon, biscuit, il gagne. Oh, ah, mais attends, non. Alperet fait 4, il a 135. Putain, Lyon, non. Non, Lyon, c'est non. Ça va, vous devez passer, c'est bon. Putain, j'ai eu chaud. Oh. Ah, mais il est bizarrement foutu ce match. Et on a plus personne dans notre équipe pour les classiques. En même temps, quand t'as Lyon comme seul espoir, c'est difficile d'en avoir, mais. C'était perdu d'avance. J'aurais peut-être dû prendre sa place. Attends, on fait tous les trois. On fait tous les trois égalité? Non. Non, vous êtes à 120, vous êtes à 120. À part, vu que Kowai a quitté, il compte pour la première étape. Parce que si on compte pas chez la première étape, du coup, Lyon, il passe devant l'un d'entre vous. Il passe devant moi parce que Floxing, il fait une meilleure deuxième étape. Voilà. Mais, ça s'est joué à 3 peu. Mais non, moi je porte réclamation sur ce 7. C'est normal. J'avoue. Alperi fait combien? C'est pas contre Lyon, mais enfin bon. Il mérite pas, c'est la mafia. Ce sera un peu la mafia. Il a rien fait, mais. Genre, il était là, il nous a cassé les couilles. Ah oui, ils sont. Accélération de Fabio Haro. Et depuis quand il y a encore les 82 sur cette étape là-haut? Ils ont pas fait protéger. Ah, c'était chaud. Ah, boost, enfin, raid. Quoi? Je me suis arrêté un peu raid. Dommage, y'a plus Lulu. Ok, je me fais traiter de fils de pute parce que je n'y pas. Waouh, c'est humeur. El Famoso. Ah, il a eu des lags. Arrêtez. Lyon a eu des lags. Triplé belge. Attaque des Bahreïn. Lyon a eu des lags, c'est pour ça. Vous inquiétez pas. Ouais, la construction de garder. Oh merde, j'avais pas vu la côte. La team banque est en route, bah là. Et la voiture. Ouais, moi aussi, regarde. Je suis derrière toi. Moi j'ai dû passer derrière toi, c'est encore mieux. Dégage, Bossingen. La voiture qui fait chier. Oh, j'avais totalement oublié la côte là. Ou des lâchés pour Bounan. Ah, ça va pas commencer, Bounan, hein. Tu vas pas commencer à lâcher, sinon après ça va être l'autre con de Bitsaking qui va passer et j'ai ragé. Mais non, pour l'instant, ce qui passe, c'est BFM TV, Gazing et moi. Ouais, mais fais gaffe à l'autre con avec sa NL là. Non, lui il est pas dangereux. Lui. Bounan, le placement. Il y aura peut-être un Eicho encore ce soir ou est-ce qu'il y aura encore un Eicho ce soir ou pas? J'espère que Lyon va pas passer sur mon stream par contre parce que quand il va le voir il va
J'ai mis un petit truc dessus, il va pas être content quand il va le voir. Lui on dit il t'a rendu ton même. Oui. Par contre là. BMF qui fait encore le mur. Qui est l'enculé. Et on appelle ça le meilleur joueur espagnol, non mais dis donc. Même moi je sais mieux jouer avec. Oh, coup douce. Je me fais coincer par mon propre coureur. Coup douce, coup douce. Allez, mais décale-toi, putain. Ouais, mais moi aussi. Quoi? Bon, allez, avance, avance, avance. Pédale, Maurice, pédale. Voilà, je sais pas si j'avais pas eu de bug à la con. Pauvre Lulu, GG, il pas ici pour pleurer là. Tu m'as fait peur, Lulu. De quoi? Parce que si tu passes, c'est moi qui suis out. Ah merde! Non mais en vrai, je m'en bats les couilles, j'ai gagné une étape, c'est déjà bien. Et ça a cassé. Mais en fait, je suis pour te dire, à la première game, le mec était vraiment juste derrière, il était dans la roue, et ouais, il les a enlevés. Non, parce que je sais que moi, dans l'entraînement cet après-midi, c'est pas le jeu de groupe qui se fait plus. Lyon, mon petit biscuit. Mon petit biscuit. Mais je fais 4ème. Ouais, mais t'aurais dû mettre Fort Curseur 90. Ouais, mais bon, je pensais pas que le jeu était cassé non plus, j'ai plus rien. Lyon, mon petit biscuit préféré. Mais quoi, toi? Mon jeu. Du coup. Qui c'est qui a lâché là? J'ai gagné. Sutherland pour Bouden. Je passe pour pas pour 2 points, c'est ça? Pour 5. Ouais, en gros j'étais 5. Non, pour 2. En fait j'étais 5ème la première tâche, je pensais que c'était ça. C'est ça, ouais. Ah! Mais t'imagines. Attends, mais vu que là t'es pas là pour deuxième étape, est-ce qu'on peut lui enlever les points de la première étape? Ouais, c'est la mafia si c'est ça. si c'est ça, je suis un voleur si c'est ça, les mecs. Ouais, t'as un voleur. Surtout que si c'est ça, tu m'élimines et je me perds parce qu'à la deuxième étape, Noxing fait mieux que moi, genre on a le même nombre de points. Par contre, j'ai joué comme une grosse putain deuxième étape. Ouais, mais j'ai attaqué trop tôt avec Nelson à la fin. Ouais, mais en fait, bien que ça arrête de bloquer. Vas-y. Vas-y, Sanchez, bloque Cummings. En fait, bloqué Cummings. J'ai full suivi en fait, moi. J'en battais les couilles. C'est bien, ouais, t'as bien fait. En fait, dans la descente, je savais que j'étais derrière un mec, mais je savais que j'étais plus rapide. Donc, je me battais les couilles. Puisque, c'est bon, j'ai win. Genre, à kilomètre, c'était moi, j'ai win. Dommage. Pourquoi Kawhi il s'est ramené pour la première game, quoi? Putain, j'aurais fait 5 et je serais passé. Mais bon, ça aurait été un vol, hein. Parce que vu mon niveau en route, ce qui est ouf. On en est où, Pumpkin? Ah, Pumpkin, il arrive à l'arrivée. Là. Bon, moi, je vous laisse. Un peu ici. Ici, Lutsenko est mort, Visconti est mort, Bennett. Ah merde, je suis mis depuis tout à l'heure. Sanchez, ça fait exprès qu'il soit lâché? Non, ou il est mort? Non, il est en curseur 90, il n'arrive pas. Ah. BMF il protège Cummings avec coup douce, mais il laisse Boissonhagen devant. Et de toute façon, ils sont lâchés en plus. Ouais, il peut pas aller, il arrive à rentrer pour se protéger. Oh non, les blocs, sérieux là. Putain, mais c'est quoi ça? Mais sérieux, on peut passer là? Insupportable. Rien faire quoi sur les tâches, je me fais bloquer à chaque fois. Moi aussi, je suis toujours derrière toi. Toujours dans les roues quoi, et c'est Beat Cycling qui a deux mecs devant. Alors qu'un mec joue comme un tordu depuis le début. Et du coup, BFM qui a bloqué tout le monde, et ben il est bien. Ça sent pas bon là. 4 Français, il n'y en a pas beaucoup qui vont passer, on dirait. Hein. Bah, si, 2. Attends, c'est pas fait là avec Beat Cycling. Regarde, il se décale. Oh, je me le prends dans la gueule. Shadow. Non, parce que là, si Beat Cycling gagne, attention. Hein. Ça lui fait 125 points. Non, bah si, parce que regarde, c'est de la grosse descente. Pas du jeune, je veux dire.
Voilà, il a plus de jaune. C'est bon, ça. C'est très bon. Nice. Oh non, il me bloque, t'es sérieux. Il a surtout bloqué Gazing. Gazing, faut pas que tu finisses derrière Shadow, devant. Non, BMFI. Non, mais moi j'aime. Oh, BMFI, décale-toi. Victoire de Matteo Trentin, non. Oh, ma bonhomme. Et Gazing qui passe pas du coup. Non. Bah, si, je fais 2v4, je devrais y arriver quoi. Non. Alors, c'est pas sûr, hein. 2v4, c'est Bounen. Et Bounen shop 100 points. Bounen fait 1v4. Frico fait 2-2. Attendez. J'ai les scores. 70 points. Tu passes pas, hein. BMP, Gazing, non, tu passes pas. Non, attends, moi pas que BMP, je passe. BMP, 50, Astana, Gazing. Si, tu passes pas. Hein. 35. Attends, mais ta gueule. Exactement, ta gueule. Tu passes pas, hein. Compte les points, on lui dit, tu passes pas. C'est qui me vole la première? Bah, c'est BMP, là. BMP, il fait quoi, là? 103 points pour Bonnen. 43 pour Shadow. 105 pour Gazing. 120 pour moi, 150 pour BFM et 43 pour Bits. Donc ceux qui passent, BFM, Bonan et moi. Oh, Frico, viens dans mon groupe après. Quoi, viens dans mon groupe après, t'es sérieux? Oui. Espèce de sourase. En plus, comment je me fais sauter sur la ligne à la première? Il y a bien une finale à aller chercher. Mais j'ai dit, sur la route, moi j'ai vu les finales. Au moins en tour. En classique, je m'y attendais pas, ça c'est sûr. Du coup, Shadow et Gazing qui est mini. Ah, surtout quand tu vois comment je fais le mini sur la ligne. Big Gaz qui se fait ken sur la première étape parce que les skins sont cassés. Du coup, Shadow est miné. Shadow éliminé. Incroyable. Le champion du monde antique. Oh, Bonnen, le violeur de chèvre. Ouais. Attends, est-ce que s'il me passe sur la ligne, s'il me passe pas sur la ligne, il fait 105. Ah, si, ah, non, mais il te passe quand même. Ouais, il passe quand même parce que la deuxième étape. Fait 2 et 4 tous les deux. Ouais, mais c'est la deuxième étape qui compte. Ah, mais la team Biscuit est éliminée complètement. Oh là là. Ta gueule. Les galiches. Ferme ta gueule. En même temps, on avait qu'un représentant. Le PCM Village est toujours là. Toujours là. Toujours la banane. Du coup, Slomi, tu passes? Non, tu passes pas. Normalement, oui. Tu passes avec Flox. Ouais. Il y a peut-être pas si il y a encore du Skype. Il y a Pump. Il y a Pump et Ivios. Non, Pump éliminé. Dites-moi, Kraul est éliminé. Oui, il a dit qu'il était éliminé, je crois. Il a fait éliminado grâce à ce qui le sifflet. D'accord. Bah, c'est cool si Schleck passe en tout cas. Your group to Nesco Baby Julian Mendes. Il y avait des Français dedans? Il y avait des vidéos dans le groupe. Ah ouais, comment tu te fais sauter à la première étape, putain. C'est sur ça que je me fais sortir quoi, parce que je perds 30 points là-dessus. Trump est éliminé. Et Toto. Oh, des Français, mais on s'est fait chier dessus. Oh. Alors, moi j'avais un groupe Mendes, Frico. David, Guillaume, Mendes, c'est le groupe de Pumpkin Man. J'ai un groupe Mendes et Frico. Et comment tu sais? Bah, non, mais je veux ce groupe. Ah, d'accord. Parce après, il n'y a pas de qui peut me battre alors qu'on n'a jamais battu. Ouais. J'ai déjà battu. Tu m'as battu sur un vélodrome, mais non. Voilà. Il m'a pas battu sur un vélodrome. Lyon, quoi? C'est vrai. Il me plaît, il reste plus qu'à prier pour qu'il y ait des absents. Ouais. Après, genre, tu vois, Lyon sera un meilleur réserviste que toi déjà. Ouais. Ah ouais? Il a combien de points? 118. Ah ouais, je suis à 118. T'es à 105, ouais. Eh ben, les Français, dis donc. Tranquille. Il y a un stack à foutre de Bonnen qui était censé pas être là au début. Donc la semaine pro c'est des Ardennaises, non? C'est genre Amstel et je sais plus quoi. Ah bah attends, je vais voir ça. Ah oui. Ah oui, c'est bon, on a c'est regardé. C'est pas Amstel Liège? Attends. Ah non, il y a le Tour de Flandre à un moment. Ouais. Je crois que au final c'est